Et là-bas, en fait, c'est 10 ans. Ça fait très longtemps qu'on n'a pas fait de conférence, hein, avec les confinements et puis tous les problèmes sanitaires liés à cela. Donc on est ravis de renouer avec les conférences. On va dans les collèges, dans les lycées, dans les facultés aussi. On essaye d'apporter la bonne parole pour que les gens donnent. Donc, moi je balaye un peu tout. Hein, on commence par le don du sang, on parle de don d'organes et on parle aussi de don de moelle osseuse. Alors, le don de moelle osseuse qui nous réunit aujourd'hui, c'est un thème qui malheureusement n'est pas très connu, c'est un don du vivant. Mais on est encore trop peu inscrit sur le registre français. Voilà, pour vous donner une idée, il y a 348 000 personnes à peu près qui sont inscrites sur le fichier. Alors qu'en Allemagne, il y a 3 millions de personnes. Voilà. Alors on a la joie aujourd'hui d'accueillir le professeur Chevalier et Madame Isarni. Ils viennent spécialement pour nous expliquer les fondamentaux de la moelle osseuse. Hein, voilà, donc vous pourrez poser des questions et ils vous répondront, bien évidemment. Voilà, écoutez, sinon la VAV, nous on est constitué uniquement de personnes greffées, comme je disais. Moi-même, je suis touchée par 2 greffes rénales. Voilà, on a tous un parcours différent les uns des autres, mais on se comprend parce que la maladie nous relie. Et grâce à ça, on arrive à s'encourager les uns les autres. Et ça, c'est important. Dans notre monde, quand même, assez égoïste, assez individualiste, l'entraide... c'est pour ça qu'on fait société, hein. on est là les uns pour les autres. Donc je vais laisser la parole au professeur Chevalier. Bon, Cyprien, déjà, est-ce qu'on a vu un petit peu aujourd'hui en vidéo toute l'organisation et tout? Déjà, dans un premier temps, nous présenter un petit peu l'association La VAV. Alors La VAV, c'est une association que j'ai créée il y a maintenant 10 ans, donc, hein, pour une association de greffés, de tous organes confondus, hein, il n'y a pas de ségrégation. Et elle a été fondée, je souhaitais qu'elle... Quel est pour but de soutenir moralement les malades avant et après une greffe d'organes. Mmh. Voilà. Notre but n'est pas de faire de l'argent, notre but est d'aider psychologiquement les gens qui sont en souffrance morale quand on leur apprend qu'ils vont décéder ou qu'il y a peu de chances de survie, sauf la greffe. Voilà. Donc on intervient à ce moment-là. Autrement, on intervient aussi, j'organise cette journée là pour la moelle osseuse parce que il y a maintenant 8 ans, un greffé me disait qu'il n'y avait aucune manifestation pour la moelle osseuse en France. J'ai vérifié, effectivement, il n'y avait rien du tout. Donc on a organisé cette journée spécifiquement pour le don de moelle osseuse. Alors là, pareil, l'argent récolté ce jour-là sert uniquement à renouveler la manifestation pour pouvoir parler du don de moelle osseuse et pour pouvoir sensibiliser au maximum. Voilà. Voilà. Ça fait donc 10 ans maintenant, on a fait le 10e anniversaire. Ce qui serait bien maintenant, c'est que ça s'instaure au niveau national et que les gens soient un petit peu plus sensibilisés à cette chose-là, quoi. Alors, j'ai 2 projets en ce moment. J'ai un projet dans la région parisienne pour reproduire la même journée qu'en SNI. Je pense que d'ici 2024-25 plutôt, on devrait y arriver. Et j'ai un autre projet dont je n'ai pas la maîtrise d'œuvre, mais dont je participe. Et c'est d'intégrer dans le SNU, le Service National Universel, d'intégrer un passage, une formation de spécifique aux dents de moelle osseuse et d'organes. D'accord. Voilà. J'ai eu l'accord déjà de principe de la secrétaire d'État qui s'occupe de ça, Madame Allegri.
Et logiquement, d'ici un an ou deux, le don d'organes et de moelle osseuse devrait être intégré dans, dans la formation des jeunes qui font le SNU. Voilà. Donc ce sont deux projets importants qui me tiennent à cœur et dont je vais travailler en attendant qu'ils se concrétisent. Voilà. Alors si on revient un petit peu sur la journée d'aujourd'hui, on a vu que ça demande pas mal de bénévoles et tout ça. On a vu aussi une bonne participation aussi de la ville d'Ancenis sur ton organisation, sur ta manifestation. Tout à fait. Alors pour ce qui est des bénévoles, je n'ai pas trop de soucis parce que j'organise des manifestations moi depuis 50 ans au moins quoi. Donc il y a beaucoup de gens qui me suivent depuis ce temps-là, quasiment quoi. Ce qui veut dire aussi qu'on n'est pas tout jeune. Hein. Mais la municipalité d'Ancenis nous m'aide beaucoup. Elle reconnaît qu'on est la plus grosse manifestation à Ancenis. On est la plus grosse manifestation de motards solidaires en Loire-Atlantique et dans les Pays de Loire. Donc la municipalité nous suit de très très près. Ça c'est sûr que je les remercie du fond du cœur. Hein. Et puis autrement, il y a toujours des bénévoles qui se présentent et on les prend. Voilà. Alors je connais bien Cyprien, je suis sûr qu'il a déjà dans la tête la prochaine édition déjà avec des idées. Oui, tout à fait. On ne va pas modifier grand-chose puisque je suis du genre où on ne démolit pas ce qui marche. Maintenant, on évolue tous les ans. Hein, il y a différents projets qui sont dans le petit cerveau là, qui vont se dégager dans le courant de l'année et pour l'année prochaine. Donc une belle balade pour faire connaître le pays d'Ancenis et la Loire-Atlantique. Et puis des animations, toujours plus d'animations pour attirer le plus de monde possible. Pour sensibiliser toujours le plus possible. Voilà. Voilà. On donnera toutes les références et tout ça pour les dons d'organes et la moelle osseuse. On donnera toutes les références. Et on a eu plaisir un petit peu à voir un petit peu cette manifestation en espérant que tout le monde soit vraiment maintenant sensibilisé par rapport à ça. Je pense que oui, parce que depuis que cette manifestation est organisée, par l'Agence de la biomédecine, les premières années j'avais un résultat. Maintenant on ne l'a plus parce que soi-disant ils ne peuvent plus le savoir. Mais on a fait passer le chiffre des donneurs les premières années de 250 à 300 en Loire-Atlantique par an. Mmh. On est passé à 1500-2000. Donc la journée porte ses fruits. C'est bien. Et on va continuer. Bon, bah alors vivement l'édition 2024. Hein, alors. Tout à fait. Merci. Tout à fait. De rien. Merci à vous tous.